Hello les filles, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul. Donc c'est un haul de chez Primark principalement, et il y a quelques petits trucs comme ça que je vais incruster dans la vidéo. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai été chez Wibra. Donc je sais pas si vous connaissez ce magasin. C'est un magasin où il y a un peu de tout en fait et pas cher. C'est un peu comme Zeman. Ouais, un peu comme Zeman. Seulement chez Wibra, il y a plus de trucs pour la déco. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps j'y vais, et de temps en temps je trouve quand même quelque chose, parce qu'il faut vraiment fouiller dans ce magasin. Voilà. Donc je me suis rendue chez Wibra, et j'ai trouvé et flashé directement sur ces grands coussins-là. Voilà, avec écrit Home. Je les trouve juste magnifiques. Ils sont grands et ils sont dans les couleurs de mon salon. Donc, vous voyez, un peu taupe brun. Et j'ai vraiment adoré ce coussin-là, et je le trouvais vraiment très, très, très beau. Et il m'a coûté uniquement 4 euros. Voilà. 4 euros, donc c'est vraiment rien. Et voilà, vous trouvez ça chez, par exemple, Maison du Monde, Ikea, vous allez payer au moins 10 euros ce coussin, si pas plus. Donc voilà, j'étais vraiment super contente pour ce coussin. Donc j'en ai acheté deux, bien évidemment. Ensuite, j'ai été chez Pimkie. Et chez Pimkie, en ce moment, ils font vraiment de très belles choses. Enfin, pour ma part, je trouve qu'ils font vraiment de très belles choses. J'aime bien tout ce qui est fleurs, en fait, un peu fleuri et tout. J'adore ça. Et il y en a vraiment plein chez Pimkie. Donc, vous avez vraiment le choix pour tous les goûts. Et moi, j'ai craqué juste pour... je me suis assez raisonnée. Juste pour un petit pull, tout fin, en fait, tout léger. Voilà, avec des petites fleurs et une inscription. Et je l'aimais vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup en fait la couleur bleu, bleu foncé comme ça, bleu marine. J'aime beaucoup ça. Et voilà, et je le trouvais sympa. Je l'ai pris en taille S pour celles qui, pour celles que ça intéresse. Et il m'a coûté seulement 15,99 €. Ça a quand même son prix, mais je le trouve vraiment très beau. Et maintenant, en fait, les vêtements coûtent vraiment... Je trouve qu'ils ont augmenté exagérément le prix dans les vêtements. Voilà, je suis assez contente de ce petit haut. Et ensuite, on va passer donc chez Primark. Donc chez Primark, j'ai trouvé pas mal de choses, de belles choses. Donc notamment en fait quasiment que des chemises que j'ai trouvées chez eux. Et un accessoire, ouais, et un accessoire. J'ai craqué pour cette belle chemise. Donc en fait c'est la même que je porte aujourd'hui. C'est vraiment pas fait exprès. Mais voilà, je l'avais en... Celle-ci est en noir, et celle-ci est en abricot, pêche, enfin... Corail, enfin, bref, voyez par vous-même. Moi, les couleurs, c'est un petit peu la catastrophe. Donc voilà, je l'ai pris en cette couleur-là, et je trouve qu'elle est super belle pour l'été. Elle est assez longue, donc vous pouvez mettre un legging en fait en dessous. Ça peut être super joli. Et voilà, je l'aime bien. J'aime bien aussi la matière, elle est assez fluide en fait. Et elle est très jolie, et son prix m'a coûté donc 13 euros, et je l'ai pris en taille 34 pour celles que ça intéresse. Et voilà, je prends toujours la plus petite taille chez Primark, parce que je trouve que sa taille assez large. Je sais pas si vous êtes, enfin si vous pensez comme moi. Moi, je trouve que sa taille assez large pour du 34, mais bon, voilà quoi. Donc pour celles qui s'intéressent de voir mon haul précédent de chez Primark, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je pense que j'ai fait deux vidéos, je pense. Je mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai acheté une chemise, donc toujours assez fluide, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très léger pour l'été, c'est super sympa. Et j'ai adoré la couleur, donc c'est un vert d'eau, vraiment magnifique. Ça va super bien aux blondes, si vous êtes blonde. Voilà.
Voilà, c'est une couleur assez printanière et pour l'été. Elle m'a coûté seulement 11 euros. Franchement, 11 euros une chemise comme ça chez H&M, chez Zara. Vous en allez pour avoir quand même très cher. Chez New Look aussi. Enfin, un peu toutes ces enseignes-là, vous allez quand même avoir pour en avoir très cher. Alors là, 11 euros, c'est vraiment rien. Voilà, pour cette qualité. Franchement, la qualité, elle est top. Laver, laver et relaver, elle est vraiment top la qualité. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que les boutons sont juste cachés. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Ça fait vraiment un look voilà, assez classique et assez beau. Donc celle-ci, je l'ai pris en taille 36 parce que tout simplement, il n'y en avait pas en taille 34. Elle est légèrement trop grande, mais ça fait quand même l'affaire. Donc voilà, je suis super contente de cet achat. Ensuite, je l'ai pris en noir. Donc la même mais en noir et celle-ci c'est en taille 34 et vous allez voir qu'elle me va beaucoup mieux, elle est beaucoup plus collée à mon corps et je préfère. Donc celle-ci pareil 11 euros, franchement une chemise comme ça on en a besoin. C'est une chemise basique, c'est comme la petite robe noire. La chemise noire c'est la basique, donc pour le boulot, pour un entretien d'embauche. Pour un rendez-vous assez sérieux, pour un premier rendez-vous, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, je la trouve vraiment sublime cette chemise-là. Par contre, je vais vous préciser avant que vous me le dites par commentaire, je portais un soutien blanc en dessous. Chose à ne pas faire, c'est juste parce que voilà, j'ai essayé ça en vite fait quoi pour faire la vidéo. Donc bien entendu soit un soutien noir ou soit un soutien de couleur chair, ça vaut mieux parce que sinon ça fait vite vulgaire et on voit tout. Donc ou alors porter un top en dessous, ça aussi on peut faire. Mais voilà, je ne veux pas de commentaires en disant on voit ton soutien blanc, c'est moche, nani nana. Non, je sais, je me suis rendu compte après de faire tous les essayages, donc j'allais pas remettre un nouveau soutien pour refaire la vidéo, ça prend beaucoup de temps, donc voilà, j'en tiens compte, je sais que voilà que c'est moche, mais je préfère préciser que pour ce genre de chemise-là, assez transparente, il faut mettre soit un soutien adapté à la couleur de la chemise ou soit un soutien chair, comme ça. On est ok, voilà. Alors ensuite, j'ai pris en fait une chemise en jeans. Je la trouvais vraiment super sympa aussi. J'en ai déjà une, mais elle est plus foncée et elle venait de chez H&M, il me semble. Et donc c'est plus ou moins la même, mais en plus clair. Je l'ai pris en taille 36. Elle est légèrement un petit peu trop grande pour moi. Ça, je suis assez, voilà, assez déçue de ça, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de la porter. Et les boutons aussi ne se ferment pas très 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 bien, donc il faut que vous le sachiez, hein, parce que voilà, les boutons ne se ferment pas assez, enfin ne se clipent pas assez bien. Ça fait un look assez décontracté en fait, donc ça j'aime bien avec des petites baskets ou quoi, ça peut être vraiment super joli. Et voilà, celle-ci donc m'a coûté 13 euros pour une chemise en jean, c'est vraiment rien. Et ensuite, le dernier achat, c'est un joli collier. Donc vous voyez, il est vraiment magnifique. Voilà, vous voyez, il est vraiment magnifique. Il est tout en comme en dentelle comme ça, j'adore, en argenté. Il est sublime. En plus, il a des couleurs vert d'eau. Il peut vraiment très bien aller avec la chemise que je vous ai présentée. Et couleur un peu bleu roi comme ça. Et je le trouvais juste magnifique. Il m'a coûté seulement 5 euros. Donc voilà, je ne me suis pas privée pour ce genre de collier-là qu'on peut retrouver chez Zara ou chez New Look ou chez H&M pour vraiment des sommes énormes. Enfin, je sais pas, entre 15 euros, un truc comme ça, 20 euros. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite de ce collier-là. Et voilà, c'est tout pour ce haul. J'ai vraiment pas craqué énormément comparé à d'habitude chez Primark.
Je sais que d'habitude c'est au moins 2 sacs, mais là j'ai quand même été assez raisonnable et je dois dire aussi qu'il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait non plus. Surtout, enfin, je parle du Primark à la rue Neuve, c'était vraiment catastrophique quand j'y étais. Tous les vêtements étaient par terre, tous les vêtements étaient les uns sur les autres, donc vraiment pas envie de regarder plus que ça, mais j'ai quand même trouvé 2-3 petites pièces qui me plaisaient dans ce fouillis, comme je dirais. Donc voilà, je suis vraiment très contente de mes achats. Dites-moi quoi si ça vous a plu. Et dites-moi quel est votre vêtement préféré que j'ai montré. Moi, je trouve que c'est la petite chemise noire. Elle fait vraiment bien son effet. J'adore. Et aussi le petit pull de chez Pimkie, j'aime trop aussi. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les filles. Bisous, prenez soin de vous.